Boycott de l'opposition italienne alors que le gouvernement Berlusconi est soumis aujourd'hui à un vote de confiance. La gauche et les centristes ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au débat qui précédera le vote, gagné d'avance pour le gouvernement. Si Berlusconi affirme qu'il n'y a pas d'alternative à son cabinet, ce n'est pas l'avis des manifestants qui occupent le parvis de la Banque d'Italie et de nombreux Romains. Je pense qu'il serait mieux que Berlusconi tombe. Nous pourrions ainsi aller voter à nouveau. C'est ça l'alternative à ce gouvernement. Cela fait un an maintenant et rien ne change. Heureusement qu'il y a des gens qui vont descendre dans la rue contre le gouvernement et lui montrer que la majorité des Italiens est contre ses politiques. Silvio Berlusconi est au plus bas dans les sondages avec une cote de popularité à moins de 25%. Mais le Cavaliere se dit serein. C'est la 51e fois qu'il doit affronter un tel vote depuis son accession au pouvoir. Selon lui, la chute de la coalition serait catastrophique pour l'économie italienne.